Fiston, nous devons avoir une discussion à propos d'Internet. C'est ce que j'ai dit à mon fils alors qu'il était sur son ordinateur. Il était en train de jouer à Minecraft sur un serveur public. Il était absorbé par le jeu, les yeux rivés sur son écran. On pouvait voir des lignes de conversation défiler sur le canal de discussion. Fiston, peux-tu arrêter ton jeu quelques minutes? Pour une fois, il a accepté de quitter le jeu et d'éteindre l'ordinateur. Il m'a demandé si j'allais encore lui raconter une de mes histoires ringardes. J'ai fait semblant d'avoir le cœur brisé en lui faisant remarquer que d'habitude, il avait l'air de les aimer, mes histoires ringardes. Il avait grandi en écoutant mes histoires, qui parlaient d'enfants rencontrant des sorcières, des fantômes, des loups-garous, des trolls. Comme beaucoup de parents, j'ai utilisé ces contes pour, en quelque sorte, apprendre la prudence à mon fils. Les pères célibataires comme moi se doivent d'user de tous les outils mis à notre disposition pour l'éducation des enfants. Il m'a gentiment dit que ça lui plaisait quand il avait 6 ans, mais que maintenant il avait grandi. Ça ne lui faisait plus peur, et il trouvait même ça un peu stupide. Il a ajouté qu'il voulait bien en écouter une quand même, mais seulement si je la rendais vraiment très effrayante. J'ai un peu hésité, mais il m'a rappelé qu'il avait 10 ans, et qu'il n'était pas un froussard. Alors j'ai dit que j'allais essayer. On est descendu dans le salon, et j'ai commencé à raconter l'histoire. Il était une fois, un garçon nommé Colby. On pouvait voir la déception sur son visage. Il avait l'air de se dire « encore une histoire pour gamin de papa ». Colby s'était connecté à Internet et avait navigué sur plusieurs sites pour enfants. Au bout d'un moment, il avait commencé à parler à d'autres enfants, via des jeux online ou sur des forums. Il s'était lié d'amitié avec un autre garçon de 10 ans, nommé Helper23. Il aimait les mêmes jeux vidéo et les mêmes séries. Il rigolait aux blagues de l'un et l'autre. Ils découvraient de nouveaux jeux ensemble. Après plusieurs mois d'amitié, Colby avait offert 6 diamants dans le jeu sur lequel il jouait. C'était un cadeau très généreux. L'anniversaire de Colby s'approchait à grands pas, et Helper23 voulait lui offrir un super cadeau dans la vraie vie. Colby avait pensé que ça ne serait pas grave s'il donnait son adresse à Helper23, à condition qu'il promette de ne pas la divulguer à des étrangers ou à des adultes. Helper23 avait juré de ne rien dire, même pas à ses propres parents, et avait posté le colis. J'ai interrompu mon récit pour demander à mon fils s'il pensait que c'était une bonne idée que l'enfant donne son adresse à Helper23. Il a dit que non. Malgré lui, il avait fini par se laisser emporter par l'histoire. Eh bien, Colby ne trouvait pas l'idée bonne non plus. Il se sentait coupable d'avoir donné son adresse, et sa culpabilité ne faisait qu'augmenter, de plus en plus. Alors qu'il enfilait son pyjama la nuit suivante, sa culpabilité et sa peur étaient telles qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort auparavant. Il s'était convaincu d'avouer la vérité à ses parents. La punition serait dure, mais au moins il aurait la conscience tranquille. Il s'est glissé dans son lit, en attendant que ses parents viennent lui souhaiter bonne nuit. Mon fils savait que la partie effrayante allait venir. Malgré ce qu'il avait dit avant, il était quand même un peu angoissé, et a grippé fermement mon bras. Colby entendait le moindre bruit de sa maison, la machine à laver qui tambourinait dans la pièce d'à côté, les branches d'arbres qui frappaient les vitres, son petit frère qui dormait dans la chambre voisine, et d'autres bruits qu'il ne pouvait pas identifier. Puis les bruits de pas de son père, qui s'approchait de la porte de sa chambre. « Papa !» avait-il dit, nerveusement. « J'ai quelque chose à te dire. » Son père a alors passé la tête dans l'entrebâillement de la porte. Mais l'angle de celle-ci était bizarre. Dans l'ombre, il semblait que sa bouche ne bougeait pas et que ses yeux n'étaient pas normaux. « Oui, fiston. » La voix n'était pas normale non plus. « Tout va bien, papa ?» a demandé Colby. « Oui, oui, ça va. » a répondu le père, toujours avec cette voix bizarre. Colby s'est enfoncé dans les couvertures, inquiet. Maman est là? Me voilà. La tête de sa mère a émergé en dessous de celle de son père. Allais-tu nous dire que tu as donné notre adresse à Helper23? Tu n'aurais pas dû faire ça. Nous t'avons toujours dit de ne pas révéler tes données personnelles sur Internet. Elle a continué. Ce n'était pas un enfant. Il faisait juste semblant d'en être un. Tu sais ce qu'il a fait? Il est venu chez nous, a pénétré à l'intérieur, puis nous a assassinés tous les deux, juste pour passer un bon moment avec toi. Un homme a alors émergé de derrière la porte de sa chambre, tenant dans ses mains deux têtes tranchées. Colby hurlait et haletait, tandis que l'homme laissait tomber les têtes sur le sol, dégainant un large couteau. Il est entré dans la chambre et s'est dirigé vers le garçon. Mon fils avait hurlé également. Il se protégeait les yeux avec ses mains, mais l'histoire ne faisait que commencer. Après plusieurs heures, le garçon était quasiment mort, et ses cris s'étaient transformés en pleurs. Le tueur avait alors remarqué les lamentations d'un bébé,
venant de la chambre voisine. C'était un régal pour lui. Lui qui n'avait jamais encore assassiné un bébé, et était alors enthousiaste à cette idée. Helper 23 a retiré le couteau du ventre de Colby, le laissant à l'agonie, avant de suivre les cris dans la maison, comme un appel des sirènes. Dans la chambre du bébé, il s'est approché du landau et a pris le nourrisson dans les bras. Il s'est dirigé vers la lumière pour mieux le voir. Alors qu'il le tenait dans les bras, les pleurs du bébé se sont arrêtés. Il souriait. Helper 23 n'avait jamais encore tenu un bébé dans ses bras, mais il le berçait comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il a essuyé ses mains ensanglantées sur une couverture, afin qu'il puisse caresser la joue du bambin. Hé, hey, coucou toi. La lueur de sadisme dans son regard s'était éteinte, laissant place à un regard bienveillant et chaleureux. Il est sorti de la chambre, l'a nommé William et a décidé de le ramener chez lui, pour l'élever comme son propre enfant. Une fois mon histoire finie, mon fils était visiblement troublé. Entre deux respirations saccadées, il a dit « Mais papa, je m'appelle William aussi !» Je lui ai fait un clin d'œil complice, tout en caressant ses cheveux. « Je le sais bien, fiston. » William est remonté dans sa chambre en courant, et en pleurant toutes les larmes de son corps. Mais au fond, je pense qu'il a aimé l'histoire.